Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap, bonjour, c'est une vidéo extrêmement spéciale. Pendant 2 jours, nous allons faire de la survie en plein milieu des Pyrénées. Oui, mesdames et messieurs, je suis au milieu des montagnes de les Pyrénées, il fait un temps de merde. Ubisoft m'a appelé pour me proposer une vidéo dans laquelle... on va faire de la survie à l'occasion de la sortie de Far Cry Primal. J'ai direct dit oui. On va apprendre à faire des gourdins, on va apprendre à faire des arcs, on va apprendre à faire du feu, on va apprendre à se construire un abri et on va dormir dans une grotte. Comment tu veux que je dise non? Donc, on est parti pour une aventure. On va aller voir Denis. Denis, c'est le spécialiste de la survie qui va m'accompagner pour cette vidéo. Il est calé en tout ce qui est manger des glands, tout ça. Il habite dans une grotte qui est là-bas, donc on va aller le voir. Bon, en vrai, il habite pas dans une grotte, mais viens, on dit que pour la vidéo... Il habite dans une grotte, parce que c'est plus marrant. C'est un peu chelou comme délire, mais j'aime bien. Je suis tout seul dans la forêt. Bon, il y a quand même un cadreur qui va m'accompagner, parce que sinon c'est pas drôle. Un peu à la Bear Grylls, tu vois, t'as compris. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. Ça m'a l'air bien abrupt ici. Regardez, j'ai trouvé... Oh putain, je vais me casser la gueule. J'ai trouvé une grotte là. Mais c'est pas dans celle-là qu'on va. J'ai trouvé celle de Denis. Elle est juste là. Je vous jure, c'est extrêmement glissant. Il fait un temps de merde. Ok, c'est là. Chez Denis. Oh non. Oh non, c'est imprimé sur un carton de pizza, non. Ah non, mais moi je m'attendais à un truc badass, un truc un peu... Vas-y, on entre, mon gars, ça fait flipper, laisse tomber. Keka ? A few moments later. Bon, je suis entré dans la grotte. Je me suis débarrassé de mon pancho parce que bon, bah il pleut pas dans une grotte, c'est le principe d'une grotte. On va essayer de trouver Denis. Cimer, quoi, on m'a donné aucune information sur le truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un câble électrique, les gars. Genre, cimer la survie, quoi. Genre, on m'a dit, hey, Amixem, super, tu vas voir, on va dans une grotte, on va faire de la survie, ça va être génial, waouh. Est-ce que je trouve un câble électrique? Vas-y, on va le suivre. Denis? Ouais. C'est une blague. Il y a des canapés et tout. Je cherche Denis. Oui, c'est moi. C'est parce moi. Parce qu'en fait, tu vas me faire perdre. Non, parce qu'en fait, on m'avait parlé genre d'un truc de niveau survie, genre un truc un peu badass et un peu. Et là, en fait, tu joues à la PS4 et c'est chaud, c'est pas de la survie. Là, il y a plein de lumière, de lit et tout. On m'avait parlé d'une survie un peu hardcore, je sais pas. Attends, il y a New York qui m'appelle là. Oh putain. Bon, tu veux la vraie survie? Ouais. Dans les bois et tout? Ouais, ouais. Bon, ok. Et ben, on va y aller. Bon. Je vous ai un petit peu mytho, mon Denis aussi, parce qu'en fait il habite pas là. Par contre c'est un vrai spécialiste de la survie, donc on va vraiment faire des trucs de survie, ça c'était pas une blague. Donc on va apprendre à faire des haches, on va apprendre à faire des lances, on va apprendre à faire des flèches, et on va apprendre à faire du feu. On part sur la lance. Alors c'est un morceau de noisetier tout bête, mais il faut se servir de ce que la nature nous donne. Donc, et la nature nous a donné du noisetier. Ouais, 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 et puis avec un truc un peu bizarre, et puis tu vois, t'as donné ça aussi. Elle est quand même vachement généreuse la nature, ouais, parce qu'on part sur un caillou à peu près parfait, on est d'accord? Ouais, à peu près, ouais. Tu l'as acheté sur le bon coin, t'as un truc horrible. Donc ça part comme ça? Ouais, donc il va falloir que tu coupes ça. C'est très menaçant. Alors comment je m'y prends pour casser du noisetier? À la force de mes gros bras très musclés. Alors, on a passé plusieurs siècles. Ouais. Et là, t'es déjà à l'âge du bronze, mon gars. Ah, j'ai quand même un peu de chance, tu vois. Ouais. C'est pas totalement... Là, t'es à l'âge de la pierre, là, t'es à l'âge du bronze. C'est, alors, tu m'as dit tout à l'heure, c'est une machette thaïlandaise. Oui, ça vient d'un peuple. Que tu as fabriqué avec des poils de dos. Uniquement. Ouais, je sens que ça vient. C'est du bon noisetier, ça, j'ai l'habitude. Ça va, ça commence à partir. Ah ouais, c'est vrai que tuer Denis dès la première prise, c'est pas la bonne idée. Voilà, parfait. On est bien là. Ouais, ouais, très bien. Mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné pour la faire tenir. Ou c'est pas gagné avec moi. J'ai rien dit. On ne saura jamais. Devinette. Le feu. Si t'as le feu, qu'est-ce que tu as d'après toi? Bah, la fumée du coup. Ouais, la fumée. Ouais, donc ça fait fuir les bêtes. Après. T'as la chaleur. T'as la chaleur. Pour toi-même, pour cuisiner. Faire bouillir son eau pour la rendre potable. À quoi ça sert d'autre le feu? Bah éclairer bien évidemment. Putain, ce mec est pas con, hein. Bah attends, j'ai joué au jeu vidéo. Et puis. Il y a un truc que j'ai oublié, attends, j'ai dit éclairé, chaleur, fumée... Bah quand t'as le feu, mon gars, t'es un homme. Voilà, t'as les couilles, c'était la dernière... Tes derniers points, t'as les couilles. C'est vrai en plus. Il n'y a aucun animal sur Terre qui sait faire du feu. Ah, c'était pas un homme en mode, ça y est. Ouais, non, t'emballes pas, gamin. Ouais, d'accord, je suis pas un homme encore, en fait, apparemment. Donc on verra. Je suis un être humain. Ouais. Je fais partie de cette race, d'accord. On verra tout à l'heure si t'as des couilles aussi. Ok. Bon voilà, ça ressemble à quelque chose. Hein. C'est vraiment super lourd. Ouais, ouais, t'es ouais, sûr ouais. Hein. Ouais, ouais. Bon, on a décidé de faire un javelot. Alors pendant que notre cher Denis est parti faire de la colle, moi je dois faire une espèce de lance. Donc quand il revient, il faut que ce soit beau
et que ça tienne. Là, tu vois, ça commence pas mal. Tu vois, j'ai une petite encoche, j'ai une pierre plutôt stylée. Là, tu vois, sur le papier, c'est beau. Je suis pas du tout confiant. Bon, alors, on va faire ce qu'on appelle le nœud du perroquet. En fait, c'est un nœud normal, en fait. Parce que je sais pas faire d'autres nœuds. On va essayer de refaire un deuxième, un double perroquet. Hein, c'est moi ce que j'appelle dans le jargon un double perroquet. Oh. Eh, s'il te plaît. Écoutez, j'ai pas fini mon nœud, mais c'est pas mal. Ok, on est d'accord. Bon, Denis s'est barré, on va faire une flèche. Il faut changer en fait une plume, parce qu'elle était déjà commencée celle-là, tu vois, elle a déjà tué du bouquetin, je pense. Donc là, j'ai une plume neuve, magnifique, et nous allons l'installer ici, tu vois. Et bah, ça paraît facile, sauf que quand t'as pas de pâte à fixe, quand t'as pas de scotch, c'est la merde. Et bah voilà, impeccable. Tu es extrêmement bon. Voilà, en fait. C'est une catastrophe, t'en bouge pas. J'ai dit que ça s'appelait l'empennage. Ça s'appelle l'empennage, j'ai appris ce mot-là tout à l'heure. Défoncer la peau. On est sur un concept, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... bon, faudrait que ce soit équilibré, mais si j'avais trois plumes identiques, on serait sur un truc badass. Je pense que Denis va valider. On passe à la suite. Bon, maintenant je vais faire la hache. J'ai l'air très à l'aise avec ma petite machette et mon... on peut dire mon tronc d'arbre. J'ai coupé ici. Ok, donc le monsieur il m'a dit un angle de 33,3 degrés. Un bon coup à chaque fois. Allez, on est parti. Bonne journée. Ouais. Oui, non, ça va aller, ça va aller. J'étais pas confiant au début. Et en fait, ça va aller. En 2-3 heures, ça devrait aller. Bah, écoute, là, c'est la fin, non? Bah, voilà. On va fixer à ce manche une pierre, pourquoi pas. Pour le bout de bois, on l'a fendu en deux. On a trouvé un petit caillou qui a une tronche de hache. Et ça fait une petite hache. Bon, ok, on va pas abattre un chêne avec ça, je suis d'accord. Mais... franchement, en deux secondes, c'est pas dégueu. Bon, il fait toujours un temps de merde. J'ai remis mon pancho extrêmement classe, extrêmement stylé. Je passe une excellente journée. On a fabriqué des outils, donc cette espèce de gourdin hache, mes petites flèches pour mon arc, cette lance magnifique, et on va aller les utiliser sur le terrain. Denis ? Denis ! Mais c'est bon ! Mais je peux expliquer à la caméra ce qu'on va faire, Denis ! Allez, viens ! Mais putain ! C'est toujours, mais c'est bon, hein, je peux quand même expliquer aux gens. Ça m'énerve. C'est sûr qu'il faut passer par là, Denis. Ouais, ouais, viens. Parce que on était censé partir chasser, mais même si les animaux ils peuvent pas aller par là, ça sert à rien qu'on y aille. Hein. Denis. Faut se taire pour chasser. Ah ouais. Ok, ça marche. Chier. Denis. Denis ? Oh merde ! Putain, fiche ! Denis ? Comment t'es passé par là ? Voilà, par là. Droit. Là ? Non, c'est pas vrai. Non, t'es passé par là. T'es un mytho. T'es un gros mytho, Denis ! Ah, le menteur ! Ah, il voulait me faire passer dans les ronces sans foire. Un lapin! Là, à côté du. Tu vois là, comme la forêt? Là. Il est juste là. On bouge pas, on panique pas. Tiens-moi ça. Tu me files une flèche. Denis, t'es con, c'est pas drôle, c'est bon. C'est énervant. A few. Allez, bande! Le bande, Denis? Ouais, tu vises, t'es trop haut là. T'es trop haut. Attention, il va bouger. Pas mal, hey, reste là lapin, il y a la deuxième qui arrive. Tu appliques, tu bandes. Je bande, Denis. Lève le coude, vise et tu lâches. Trop haut. Pas mal, ah, pars pas lapin, il y a la troisième lapin. Toujours... pas mal, tiens essaye avec ça. Dégommé. Je vais te dégommer. Wow, il y a une sauterelle là, T'es sérieux là? Si. Non, arrête. Tu l'as eu? Eh ouais. Oh la précision! Faut que la manche? Bah oui. C'est dégueulasse. Bah oui, celle-là, elle est crue. Et alors? Eh ben, faut la manger cuite, faut aller faire du feu maintenant. Ok, vas-y, on va faire du feu, c'est dégueulasse.
C'est le moment tant attendu, mesdames et messieurs. Je vais apprendre à faire du feu. C'est pas anodin de faire du feu de ses propres mains, sans briquet, sans allumettes, sans chalumeau et tout ça. Parce que le feu, c'est la vie, c'est la civilisation, monsieur. C'est comme ça que tout a commencé. Donc avant la fibre optique, qui est quand même une belle invention, il y avait le feu. Il y a à peu près 4 milliards de techniques. Donc Denis va m'expliquer. C'est parti, j'ai peur. Il y a peut-être pas 4 milliards de techniques, mais il y en a pas mal. Ouais. Ouais. Non, j'exagère un peu sur les chiffres souvent. Ouais, ouais. Et notamment, j'ai 3 millions d'abonnés sur YouTube. Ouais. Ah ouais. Excuse-moi. C'est exagéré ou pas? Ah oui. Donc, l'idée pour faire tourner très très vite cette baguette, cette drille sur la planchette, ouais. Ben, on a un archer. D'accord. Donc, pour réussir la technique, il faudra une petite écorce. Là, c'est du boulot. Une petite planchette en bois. C'est du lierre et ça c'est du noisetier. C'est du boulot tout ça. Ouais, bah ouais, il faut. J'ai mis 2 heures avant que t'arrives mon gars. Et une petite pommelle, là je vais te prêter mon super coquillage. Alors, tu trouves des coquillages dans la forêt? Non, je l'ai dans les Pyrénées. Je l'ai troqué mon gars. Ok, ça marche, ça marche. Avec une tribu et tout. Ouais ouais, t'appuies bien contre le tibia. Et après t'as plus qu'à jouer du violoncelle. Très vite ça va fumer. Et sans forcer. Hein. Ça fume, ok. Okay. J'essaye! Une fois que ça c'est fait, ouais. Tu sais où tu vas percer, t'as vu tous ces petits trucs noirs là? Ouais. Et ben faut les agglomérer entre eux, c'est eux qui vont être chauds et rester chauds. Tu refais exactement ce que j'ai fait. Une fois que la braise est faite, elle va rester chaude longtemps, donc no panique. Tu la décolles d'un petit coup comme ça, et ça tu le mets dans le petit nid que je t'ai fait. D'accord. Je t'ai confectionné. D'accord. Et après, il n'y a plus qu'à souffler. Vas-y, ça va Denis, c'est bon! T'inquiète, t'inquiète. Ça c'est le truc le plus dur. Une fois que j'ai fait ça, le feu c'est... Ça tout prend feu. Archer positionné, Houston. Coquillage positionné. Main positionnée. Je suis en train de faire des trous dans... Allez, applique-toi. D'accord, Denis. Montre qui tu es vraiment. Ok, Denis. Est-ce que tu as envie d'être un homme ou pas? Tu te calmes, Denis. Allez, maintenant, faut y aller, mon gars. Fais de la fumée, hein. T'en as. T'as vu, tu tousses, il tousse. T'es bon, il y a de la fumée. Et tu me verses ça là-dedans. Comme ça, comme un bourrin. Non, pas comme un bourrin. Regarde ça, elle est rouge, elle est belle. Fais gaffe, la perds pas. Denis, j'ai paniqué. Ah, ça va aller. Voilà. Allez, tu refermes ça. Et là, tu souffles. C'est bien, ça. Je leur dirai pas qu'il y avait un briquet. Attends, pour une fois que t'as fait un truc... Allez, encore 3-4 fois et t'as le feu. Allez, encore plus fort. Tu veux faire du feu ou pas? Attends, je suis en train de faire quoi là? Oh là, il crache dedans maintenant. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un échouer à ce stade-là? Oh là là, oui. C'est pas vrai ça. Ah la vie de merde. Tu vois du rouge ou pas? Non. Mais alors, le truc intéressant, ah, Denis. Oui. C'est que là, on a une petite bouillotte. Qu'est-ce en herbe. Ça doit faire combien ta vidéo? 1h30. Oui. Oh bah ça va, on est bon alors. Oh, il m'a pété le morceau de bois maintenant. Est-ce que j'ai de la chance ou pas? Ah ouais, vachement ouais. Donc faut recommencer depuis tout le début. Mais tout le début, genre du début, on va refaire un truc. Ouais. On le refait? Je tiens à dire que depuis le début de cette aventure de survie, j'ai fait un petit trou dans mon pantalon. D'une quinzaine de centimètres tout de même, qui s'est peut-être vu à la caméra. Et je préférerais vous avertir de cette situation avant que dans les commentaires je vois très drôle. De la vitesse. Allez. Bon, après 4 heures, t'as réussi quand même? Bah non, j'ai réussi à faire de la braise, mais pas du feu, donc c'est le grand. Donc ça va là. Foutu, Denis. Tu vois du rouge encore? On va dans le cul, Denis. Je viens d'inventer la sodomie, là, Denis. Allez, Denis. 10. On voit la flamme. Oh my god. Joyeux anniversaire, Denis. Ça, c'est la victoire. Merci beaucoup, Denis. Ça, c'est réteint. Non, Denis. Denis. Ah, ça y est. C'est un lance-flamme, c'est pas un... Voilà, tu vois, t'as compris ou pas?
Plus jamais. Ah ouais, acheter des briquets, c'est hyper bien. Écoutez, on a réussi à faire du feu après seulement 6 heures. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce vlog survie avec Denis. Merci beaucoup, Denis, pour tes conseils et ton aide. C'était vraiment bien. Je reviendrai dans cette grotte chez toi avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet, si jamais on tape Denis. Ouais, Denis Feu. Denis Survie, Denis Feu. Denis même survie sur ta chaîne. Ou sur le lien. Ah bah voilà. Dans la description. Et là, on va bientôt mourir. Au revoir. Au revoir. Je me demande pas comment c'est passé de Witch à Nenage, je n'en sais rien du tout. Pour ceux que ça intéresse, en fait j'ai fait mon Erasmus ici. Tu sais, l'Erasmus, c'est la période pendant laquelle tu te barres à l'étranger pendant 6 mois, 1 an, dans une université étrangère pour boire des bières et faire la fête. Pour étudier avant tout et t'imprégner d'une culture différente.